Bonjour à tous, c'est Milo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 10 minutes stretch, 10 minutes d'étirement, 10 minutes pour prendre soin de soi, pour prendre du temps pour toi. C'est parti, on y va. Allez, on va venir réveiller le corps ici, frotter dans son bas du dos, frotter dans ses cuisses, ici dans ses mollets. On va mettre les deux mains ici. Croiser sur ses épaules et on va venir inspirer, ouvrir dans sa cage thoracique et souffle. Encore trois fois et inspire. Et souffle. Encore deux. Inspire, inspire, inspire. Viens chercher vraiment toute la lumière, viens chercher toute cette énergie qui s'ouvre. Et souffle, dernière fois, inspire. Et cette fois-ci, quand on va souffler vraiment fort. C'est-à-dire, on va faire... Encore une fois, juste inspire et souffle pour que tu souffles vraiment fort ici. On le refera après, oui, c'est... Ok, ici, les deux bras qui viennent vers l'extérieur. Et qui souffle ici, qui descendent par le devant. Les bras descendent quand je souffle et j'inspire. Toujours, je lis la respiration en mon mouvement, j'inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Trace ici comme un grand, 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 grand cercle autour de toi, immense. Viens prendre ta place, laisse rayonner ici vraiment tout ton être. Et je souffle. Ok, un bras ici qui vient chercher en opposition, le bras droit sur le genou gauche. Ici, je viens chercher derrière et j'inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Viens, et c'est parti de l'autre côté. Hop, la main, le dos de la main contre ici le genou et hop. Main gauche sur genou droit, je me grandis, sommet du crâne, une ligne invisible comme d'habitude ici, du sommet jusqu'au sacrum, je me grandis, je regarde derrière, je ferme les yeux et j'inspire deux fois. Souffle. Inspire. Et souffle. Je reviens. Ici, une main, hop, sur une joue, je viens coller. Essayez du moins de coller l'oreille sur l'épaule et ici la main gauche qui vient sous la fesse et je viens étirer au maximum sans décoller la fesse. Je viens ici je viens ici étirer justement, ne décollez pas. Et ici j'inspire et quand je souffle, je mets du poids encore une fois, inspire et souffle. Et je reviens ici. Et de l'autre côté. Hop, j'étire toujours. Mettez vraiment de l'énergie dans ce bras. Mettez de la vie dans tout ce que vous faites ici. Vraiment de l'intention. Et ici, le bras droit sous la fesse droite. Et j'inspire. Et je souffle. Je détends l'épaule droite. Et surtout, je viens hop, mettre du poids. Et j'inspire. Et je souffle. Inspire, souffle et je relâche la main gauche, je reviens la tête ici au centre et je relâche ici les deux bras. Ici je viens chercher au maximum sur le côté, je viens chercher, je viens chercher, je viens chercher, je monte et ici je vais chercher sur le côté et cette fois-ci je regarde en haut. Je regarde le genou et là je viens balayer mes bras pour arriver devant, je change. Hop, je balaye pour arriver à gauche. Et là, c'est parti. Je regarde sous mon épaule droite. Et j'étire au maximum vers la gauche, sans décoller la fesse. Et ici, je reviens. C'est parti ici, de l'autre côté. J'étire au maximum. Regardez votre main, mettez de l'intention. Je vais chercher au maximum. Je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. J'étire au maximum. Et sur le côté. Inspire, souffle. Et je vais ici balayer. Je reviens. Et c'est parti encore une fois. Et je vais chercher un peu plus rapide. Et c'est parti. Un. Genou devant. Je balaye. Genou. Je reviens sur le côté. Et je reviens face encore une fois. Inspire. Et cette fois-ci, on essaye de faire
un cercle complet. Et je reviens, c'est organique. Et c'est parti, encore deux fois. Ici. Et ramenez la dernière fois. Inspire. Et souffle. Et reviens. Et ici, je colle mes deux dos de main sur mes genoux. Et je viens creuser le dos. Et ici, quand je viens, hop, arrondir le bas du dos, je mets mes paumes de main sur mes genoux. Et ici, je mets du poids. J'étire vraiment, je viens vraiment me tenir à mes genoux et mettre du poids. Je me mets de profil pour que vous voyez bien, encore mieux. Ici, regardez, ça fait. J'étire, inspire et souffle. Et inspire. Et souffle. Essayez ici de trouver vraiment quelque chose d'organique. Quelque chose d'agréable qui est vraiment à vous. C'est pareil que dans les cours de danse, hein. Je vous donne un sapin et vous le décorez, c'est la même chose ici. Et je reviens ici et je reviens là, de là, hop, mes deux genoux reviennent. Mes deux mains sont toujours sur mes deux genoux, pardon, mes deux pieds sont à plat. Et de là, hop, pareil, j'étire et je remonte. Et cette fois-ci, regardez, j'étire les bras et je viens chercher d'un côté. J'ouvre les bras et je reviens. Et de l'autre, j'ouvre les bras et je reviens. Dernière fois, j'ouvre les bras et je reviens. J'ouvre les bras et je reviens. Cette fois-ci, je tends les deux jambes. Je recule si vous n'avez pas trop de place ici. Et je viens ici, hop, allonger mon buste sur mes cuisses et on évite ici de ne pas être en crevette ou en tortue. Je tends mes jambes, j'attrape mes chevilles ou le dessous de mes genoux, mes mollets. Et ici, je continue à sentir cette ligne imaginaire entre mon sommet du crâne et mon sacrum. Et ici, je relâche. Je pense vraiment à coller mon ventre sur mes cuisses et j'inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Ok, ici, j'attrape un pied, ma main gauche attrape le dessous de mon pied droit et ici je colle mon genou contre ma poitrine et je viens tendre, je regarde derrière et je tends ma jambe, je viens ici, ça m'embarque mon bras et je change, main droite sur qui attrape le dessous de mon pied gauche, je colle ici mon genou gauche sur ma poitrine, je viens chercher derrière, je me grandis, je tends en même temps, circulaire ici et j'attrape ici, paume de main gauche sur dessous de pied droit, je colle mon genou droit, j'inspire et je souffle. Et super compliqué celui-là, mais allez-y, ne lâchez rien. Ah, chacun, hop, sa route, chacun son chemin, comme je dis toujours, à votre rythme vraiment. Reviens ici, ici, je ramène ici. Hop, je mets mes deux mains ici à hauteur à peu près derrière mes fesses et là, regardez, je vais. Relâche un petit peu dans mes épaules et j'étire au maximum. Adaptez vraiment le mouvement comme vous voulez. Je relâche la tête et je reviens. Ici, regardez, un genou, le genou droit qui croise sur la jambe droite. Je colle à nouveau mon genou droit sur ma poitrine. Ici, j'enroule mon bras gauche sur mon genou et je viens chercher l'étirement comme si on ne l'avait pas cherché assez avant. Ici, j'étire au maximum. Et je relâche et je change ici. Je fais la même chose. Cette fois-ci, le genou gauche qui est plié, qui est, hop, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite qui est croisée. Ici, j'attrape avec mon bras droit mon genou gauche et je viens regarder derrière. Ok, cette fois-ci, regardez, le bras droit va plonger. Je me sers de cette plante de pied gauche qui est posée pour pouvoir, hop, regardez, tourner. Et arriver en planche, oui, ici on arrive en planche. Et cette fois-ci, regardez, on va aller devant. Donc j'ai ici les épaules qui sont au-dessus de mes poignets et je fais devant, derrière. Ici, je rentre le nombril, je colle le nombril, hop, à ma colonne vertébrale, hop, et hop. Et cette fois-ci, je pousse, hop, chien tête en bas, ils appellent ça. Et là, regardez, j'étire au maximum mes omoplates. Et si je pédale un pied, après l'autre, un pied, après l'autre, et je viens, hop, ramener mes mains,
pas mes pieds. Mes pieds restent fixes et je plie ici dans mes genoux et je mets du poids. Et je déroule doucement, vertèbre après vertèbre. Et je reviens me mettre ici. Alors je recule un petit peu, hop, là, ici. Là, j'ouvre un petit peu plus écarté que la largeur de séance. On appelle ça position zéro, mais vous le savez. Et là, ici, je vais pousser d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Et vraiment ici, sentir que ça étire dans la hanche. Ici, et on va venir regarder plier, parallèle, passer en dehors. C'est-à-dire que mes pointes de pied regardent vers l'extérieur. Et ici, c'est mes coudes, enfin mes avant-bras plutôt, qui vont pousser mes genoux vers l'extérieur et mon bassin vers l'intérieur. Je mets ici même mes deux mains, c'est mes deux bras ici qui vont pousser mes genoux vers l'extérieur et mon bassin vers l'intérieur. Et là, inspire et souffle. Je déroule. Attention, si vous êtes trop en dehors, ah, déséquilibre. Hop, je plaque le nombril dans ma colonne vertébrale. Je plaque vraiment ici, je serre. Et je retourne ici. Inspire. Et souffle. J'inspire. Et inspire. Et cette fois-ci, j'amène les bras vers le haut. J'inspire. Et je souffle. Je reviens ici encore une fois. Et ce sonnera la fin de notre stretch. Ici, inspire. Et souffle. Merci d'avoir regardé ces 10 minutes de stretch. Merci de les avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à me suivre sur Instagram. À très vite pour une prochaine vidéo.